Mise à la porte de chez elle à l'âge de 16 ans alors qu'elle était enceinte, Laetitia, Florence Coste, est depuis en froid avec ses parents. Mais les choses pourraient bien changer au cours des prochains épisodes d'Ici tout commence. Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur les prochains épisodes d'Ici tout commence. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Le temps pourrait être celui de la réconciliation dans les prochains épisodes d'Ici tout commence. Priée de quitter le domicile familial à seulement 16 ans alors qu'elle était enceinte de Kelly, Axel Daudier, Laetitia, Florence Coste, avait depuis coupé les ponts avec ses parents. À l'heure où Salomé, Aurélie Ponce, s'apprête à effectuer son stage d'été dans l'hôtel de charme des Rigauds pour extraire Sylvie, Élise Thiolroy, de l'emprise de son mari, cette nouvelle intrigue estivale sera-t-elle l'occasion pour Laetitia de renouer enfin avec ses parents et plus particulièrement avec François à qui elle en veut terriblement? Vendredi soir sur TF1, Maxime, Clément Rémien, et Salomé seront engagés comme stagiaires dans le restaurant des Rigauds. Tandis que Sylvie va tout mettre en œuvre pour convaincre son mari François, Serge Azanavicius, qu'engager les deux étudiants était une mauvaise idée, ce dernier va faire un malaise cardiaque. Un événement qui pourrait changer la donne et marquer un tournant dans la relation de Laetitia avec son père. En effet, dans un nouvel extrait dévoilé en avant-première sur MyTF1, Laetitia reçoit un appel de François qui souhaite renouer les liens avec elle et rencontrer Kelly avant qu'il ne soit trop tard. Toutefois, la rancune de la jeune femme est tenace et elle ne compte accéder à sa requête. C'est mort. Tu ne rencontreras jamais ma fille, lance-t-elle. Lorsqu'il insiste, Laetitia lui rappelle avec amertume, « Ce n'est pas ce que tu disais quand elle était dans mon ventre et que tu m'as foutu à la porte. » Jugeant sa fille incontrôlable à l'époque, le père de famille se défend en expliquant qu'il avait voulu lui faire comprendre qu'il s'était passé quelque chose de grave. Et d'ajouter, « Je suis vraiment désolé pour ce qu'il s'est passé. » Je sais que c'est difficile à pardonner. J'ai des problèmes cardiaques. Je n'ai pas prévu de partir tout de suite mais je voudrais être sûr que je pourrai rencontrer Kelly avant que cela arrive. Point mais rien n'y fait, Laetitia campe sur ses positions. François est-il sincèrement en quête de rédemption ou s'agit-il là d'une manœuvre de sa part pour garder le contrôle sur sa famille ? Dépeint comme étant un pervers narcissique, il ne serait pas étonnant que François cherche à reprendre la main sur son entourage, d'autant qu'il est fort probable qu'il commence à avoir des soupçons sur le lien qui unit Salomé et Sylvie. Cette tentative de rapprochement avec sa fille pourrait à ce titre être une stratégie idéale pour lui soutirer des informations afin de garder Sylvie sous son emprise. D'ailleurs, selon les synopsis officiels dévoilés par TF1, Sylvie est épuisée par les questions incessantes de son mari alors que Laetitia propose un deal à François. Entre secrets de famille, manipulation et règlement de compte, l'été risque de laisser des traces chez les Rigauds. Dans